should go in these blind days. I can be sure anymore what's the right way. Can't you hear my voice? I know I must perform my choice. Cause the broken days never come back. But sometimes I imagine we could have had different days. If I had met you in another time and place. Is there an end? How far can we go to stop? It's a cruel. Days every night, I just want need you, but everything went wrong. Did you respect it this time? Et salut à tous, c'est Furyu, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Senseiya KOTZ. Alors, beaucoup de choses à dire, et tout d'abord, je voulais dire que j'étais devin. Je l'avais dit que demain, hier, sur le live, j'avais dit que demain on était fichu d'avoir le 8ème sens, et je ne me suis pas trompé. Donc aujourd'hui, nous n'aurons pas une vidéo sur SSA, pas deux vidéos sur SSA, mais trois vidéos sur SSA. Alors là, je vais passer la journée à faire des vidéos, donc hein, on y va sur les pubiotypes, on lâche rien, d'accord? On y va. Le lien est dans la description et il sera dans la description de chacun des vidéos, de chacune des vidéos. Excusez-moi, je vais y arriver. Donc, la première vidéo va avoir pour but de vous montrer les nouveautés de la mise à jour. Et notamment, ça paraît bête, mais les choses qui font que les gros cash players vont creuser l'écart avec les petits et bien entendu les free to play. Vous allez voir pourquoi c'est bête. Si vous connaissez pas, vous l'avez pas vu, vous êtes passé totalement à côté. Mais pour ceux qui connaissent, ils l'ont vu venir. Ils l'ont vu venir et ça va faire une sacrée différence quand même. Bon, on y va, on va commencer par les events, on reviendra sur la boutique après. Et on reviendra sur ce que je viens de vous dire aussi après. Parce que là, je veux quand même vous montrer bah, les nouveautés, ce qui a été fait, ce qui a été ajouté, etc. 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 Donc, remise totale sur dépenses. Là, en gros, ils vont vous demander de dépenser des bons. Les bons, c'est les coupons. Ils vont vous demander de dépenser des coupons pour au final pouvoir avoir certaines récompenses. Donc par exemple, si vous dépensez 300 coupons par jour, ce que je vous conseille pas parce que ils ont pas mis de pack journalier. Moi je pensais bon bah ok, ils mettent des coupons, pas de souci, ok. Nickel, mais il n'y a pas de pack journalier, donc 300 coupons tous les jours, je vois pas trop l'intérêt, techniquement. Je vois pas trop l'intérêt de dépenser 300 coupons tous les jours. S'il y avait un pack journalier, ça arrivait, hein, sur la SEA, on avait des fois des packs journaliers, c'est-à-dire que tous les jours, on pouvait acheter un pack à 300 coupons et dedans, il y avait quelques étoiles et de la stamina, donc c'était intéressant, mais là, il n'y en a pas. 1200 coupons tous les jours, ça va vous donner un Cosmo SS et un fragment de Doko. 2000 bons, ça va vous donner un shard de 2 perso S et un Cosmo SS, plus de gold. 6000, on passe à 5 skill tome shard, 5 perso S, fragment de perso S, 2 Cosmo SS et 200k de gold. 10 000 bons, toujours 5 shards de Tom Skill, 2 Cosmo SS, une clé et 500k. 15 000, 5 fragments de Doko, 5 fragments de Skill Tom, 3 Cosmo SS et 2 clés. 20 000, on est sur du 5 fragments de Doko, 5 fragments de Skill Tom, 3 Cosmo SS, 2 clés, 30 refines. 30 000, 10 Doko, 5 Skill Tome, 5, voilà, enfin vous voyez, bref. On va passer sur les deux derniers sont plus importants. Pour 40 000 bons, vous avez 10 Doko, 5 Skill Tome, 5 SS,
100 poussières solaires qui vont vous aider à up votre huitième sens. Là, ça commence déjà. Et 1 million de gold. Et à 60 000 coupons, vous avez 15 fragments de doko, mais surtout le murmure des dieux. Le murmure des dieux, on verra à quoi ça va servir après. Dans la... Je vais en parler rapidement là, mais plutôt dans la vidéo du 8ème sens. Et vous allez voir qu'on se fait... voilà. 10 Cosmo SS et 5 Jade Stellaire, plus 1 million de gold. Pour information, 60 000 coupons, c'est combien? Allons voir. 60 000 coupons, c'est 1 000 $. Donc si vous voulez ces récompenses-là, il faut dépenser 1 000 $ sur le jeu dans la semaine. Ouais, et ben ça sera pas moi qui le ferai, je vous le dis tout de suite. Hein. Clairement, c'est pas moi qui le ferai, je n'ai pas les moyens de dépenser 1 000 $ sur un jeu. Encore moins un gacha qui pousse à la dépense comme ça. Donc voilà, je ne le ferai pas. Maintenant, si vous dépensez 1 000 $, vous êtes sûr d'avoir Doko, hein, clairement. Donc voilà, amusez-vous. Moi, je passe mon tour. Je passe mon tour et je pense que la plupart d'entre vous vont passer leur tour, ce que je peux comprendre totalement. Désolé, je vais boire pas mal parce que du coup, ça fait pas mal de vidéos. L'appel à thème à Doko. Voit l'arrivée de Shard. Merde, non, viens là, je vais sûrement pas poule sur Doko. Voit l'arrivée de Shard en fonction du nombre de poules. Attention, il y a deux types de Shard différents. Vous avez le Shard du perso, mais vous avez la bienveillance de Doko. Et ça, c'est un Shard pour augmenter l'amitié de votre personnage. Ça ne va pas vous aider à débloquer le perso. Attention. Donc au final, vous n'avez que deux paliers qui vous permettent d'avoir le perso, qui vous permettent d'avoir des charts du perso, celui à 10 et celui à 40. Donc techniquement, si vous voulez rentabiliser vos poules, il faut faire 40 invocations par jour. Le 80 sert à rien parce que ça va donner un fragment aléatoire d'un des persos qui ne veut pas dire que ça va être Doko, et de l'amitié. Mais en revanche, si vous faites 40 éclats par jour, non seulement vous allez avoir de la pulsation stellaire, de la frag d'amitié et de la frag du perso. Et donc là, ça va vous permettre d'augmenter pour avoir le perso. Et on regarde après, il n'y a plus aucune fois le fragment de Doko. Donc, techniquement, si vous voulez rentabiliser votre truc et s'il garde la même mouture pour les events à venir, il faudra faire 40 poules par jour. Voilà, 40 poules par jour. À la fin de la semaine, on est sur du 280 étoiles. Vous pourrez en dépenser 10 pour atteindre le palier à 300. Et comme ça, vous récupérerez le palier à 300 également. Mais, voilà, 40 poules par jour pendant 7 jours. C'est ça qu'il faut se mettre en tête à partir de maintenant si les bannières restent la même. Parce que ça vous fera quand même 21 shards de Doko en plus. C'est quand même pas négligeable, 21 shards de Doko en plus. Et en plus, ça vous fera 7 pulsations stellaires gratuites. Et vous allez voir que quand on va faire la vidéo sur l'Astral Space, passer l'Astral Space Elite, c'est pas donné à tout le monde. Ensuite, on a le retour de l'event de Doko où il faut jouer Doko et récupérer les armes. Donc je le ferai pas, hein, je l'ai déjà fait lors de sa sortie. Vous récupérez les armes, vous les donnez. Moi, j'en avais déjà gardé, donc je les ai filées. Vous récupérez des coffres en fonction des armes que vous avez rendues. Donc faites-le tous les jours, hein, ça coûte rien, c'est bien. Mais j'ai oublié un truc. Dans l'appel cadeau, celui qui fait 1200, il a un autre murmure des dieux. À quoi servent les murmures des dieux? On va en venir tout à l'heure. Mais rappelez-vous ça, là on est déjà à 2. Ensuite on a les events normaux, hein, les nettoyages quotidiens, remise de chevaliers, s'allier avec les trucs. Bref, les petits events normaux qu'on a toujours d'habitude. Donc voilà, ça c'est pour les events. Maintenant, on va passer au shop. Alors, commençons par dire merci GT Arcade. Pourquoi? Parce qu'ils ont refresh le pack à 3,99 et le pack à 24,99. Mais cette semaine, on va les laisser de côté. Pourquoi? Eh bien, on va y venir. Alors, déjà, avant que je commence, parce que sinon on va encore dire que je pousse à la consommation, ce qui n'est absolument pas le cas, il va falloir que vous mettiez dans une des deux catégories suivantes.
Est-ce que je veux faire le Jamia cette semaine? Est-ce que je ne veux pas faire le Jamia cette semaine? Clairement, si vous voulez faire le Jamia, il va falloir que vous achetiez ce pack-là. Non seulement vous allez avoir des items pour votre huitième sens et des potions, mais vous allez avoir un murmure des dieux. Et le murmure des dieux le plus facile à avoir, parce que l'autre, faut avoir dépensé 1200 étoiles ou 60 000 coupons. Donc, clairement, 34,99 pour avoir un murmure des dieux. À la limite, ça peut être jouable. Donc, il va falloir que vous preniez ce pack-là. Et on sait que de toute façon, les boîtes comme ça ne sont pas refresh toutes les semaines. Donc, vous pouvez skipper la 3,99 et la 24,99 cette semaine et prendre la 34,99 pour avoir ce murmure des dieux-là. C'est quoi ça? Ouais, alors ça, voilà. Là, on peut en avoir un autre ici. Mais c'est aléatoire, donc vous pouvez très bien dépenser des coupons et ne pas l'avoir. Après, moi, je vais tenter mon coup, hein. J'ai pas le choix. Voilà, mais voilà. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Voilà. Et après, on est sur les mêmes packs que d'habitude, hein, les packs arnaque totale. Donc voilà, pas nécessaire à acheter du tout. Donc les achetez pas. Ici. On a un pack quotidien qui va vous donner deux jas stellaires, un vœu astral, 20 poussières. Est-ce que c'est utile de le prendre? Non, je pense pas. Un pack huitième sens qui va vous donner des trucs pour le huitième sens et un gros pack huitième sens qui va vous donner un murmure des dieux pour 3000 coupons. 3000 coupons, c'est 50$. Donc le 34$ reste le plus rentable. Mais en gros, là, ils peuvent très bien avoir encore des murmures des dieux, des poussières solaires. Là, en gros, les mecs, les cash players qui n'ont pas de limite avec ce qu'ils ont mis dans le shop, ils peuvent avoir, parce que c'est de la limite quotidienne, ils peuvent avoir leur jeu maximum dans la semaine. Ils peuvent avoir leur perso 8e sens maxé dans la semaine. Voilà. Quelque chose qui normalement prend énormément de temps. Parce que le 8e sens, normalement, pour upper tes persos, ça prend du temps. Ça prend du temps. Bah, les baleines vont réussir à faire ça en une semaine. Clairement, il y a trop de packs pour avoir des cosmos, des vœux astro, des poussières et des pulsations stellaires. Et même des murmures des dieux. Et c'est ça le pire, c'est le murmure des dieux. Alors, on va vite fait en parler, hein, de l'arrivée des dieux. En fait, quand vous allez sur un perso, par exemple, Shakara Yashiki au hasard, vous allez sur le huitième sens et vous avez protection des dieux. Là, chaque dieu a un effet différent. Généralement, on va en parler, je conseille Arès et ou Aphro. Vous allez avoir des forces mentales qui vont vous donner. Je sais pas si on voit. Non, on voit pas. Ils vont vous donner un level. Ils vont vous donner des levels en plus sur vos dieux. Vous voyez, level 2, par exemple, sur Arès, lors des duels, les deux combattants ont leurs dégâts augmentés de 70% et subissent une blessure profonde de 35% pendant une manche. Donc, en gros, vous allez avoir 70% de dégâts en plus. Non, merci. Comment avoir des forces mentales? Bah, c'est simple, il faut augmenter les constellations de votre personnage pour pouvoir augmenter le level du dieu en question que vous souhaitez. Cependant, sur la SEA, on était bloqué au level 4 à la sortie. Pourquoi? Parce que le murmure des dieux était nécessaire pour passer au-delà du level 4. Mais là, ils ont sorti le murmure des dieux avant. Donc, ils vont pouvoir passer des dieux au-dessus de level 4. Et vous voyez quand même, 70% de dégâts, ça fait pas du bien, hein, en plus, hein. Alors imaginez quand on va le up. De toute façon, vous allez le voir dans la vidéo 8e sens. On va le up et vous verrez un peu ce que ça donne. Mais voilà, ça va creuser un écart entre les grosses whales et les petits cash players et les free-to-play qui va être assez difficile à combler parce que les dieux rapportent quand même énormément au niveau du gameplay, du PVP, parce qu'ils sont activables en PVP et du PVE. Pareil, ceux qui étaient préparés à l'arrivée du 8e sens vont réussir à tenir le rythme. Ceux qui ne sont pas préparés, bah, c'est pareil, hein. Oubliez le Jamir et tout ce qui est PVP cette semaine, parce que il y en a qui vont être monstrueux. Moi, je pense à Top Pirate, je pense à Hamlet, je pense à toutes ces personnes-là qui vont être prêts pour le 8e sens et qui vont bourriner le 8e sens en une journée.
ça va faire très 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 mal. Ça va faire très 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 mal. Et ça, je le reproche un peu parce qu'ils ont fait un pas en avant en mettant des chardes, même si c'est peu, hein, en mettant des chardes sur les poules journaliers. Et ils ont fait un pas en arrière en bourrinant pour donner aux baleines de quoi faire leur huitième sens au maximum dès la première semaine. Et ça, c'est un petit peu aberrant, mais j'ai envie de dire, la vie est injuste, les inégalités sociales existent dans la vie courante, ils existent aussi dans les jeux. Voilà. Bon, c'est à peu près tout pour les mises à jour, hein, de ce que je sais. J'ai pas vu de nouveau Cosmos, on va aller vérifier. Non, donc pas de nouveau Cosmos. Voilà, donc bah c'est tout pour les nouveautés de la mise à jour. Donc on se retrouve dans quelques instants, enfin dans quelques instants parce que je vais uploader tout en même temps pour la vidéo suivante. En attendant, bonne journée, bon courage, bon farm de 8e sens et à toutes.